Donc, je m'appelle Audrey Tonnat, je suis éleveuse de vaches laitières en Haute-Loire, donc la Côte-Dieu. Principalement race Montbéliard d'abondance et après Tarine aussi et quelques croisés, donc en race rustique, Salaire, Vosgien, etc. Pâturage 8 mois de l'année, le reste en silage, foin. Je fais quelques veaux gras en plus et je vais introduire la médiation animale en plus, en activité à côté. Alors pour moi, le bien-être animal, enfin, je ne vais pas vraiment parler bien-être animal, mais c'est surtout d'avoir une harmonie entre l'animal, l'humain et son environnement, et surtout l'animal pour dire qu'il est bien. On va regarder ses émotions, comment il est sur le plan émotionnel, physique, et après s'il a tous les besoins qui sont comblés comme ça. Voilà, ils sont liés, des animaux qui sont bien dans leur environnement, on aura déjà moins de maladies, moins de problèmes, ils vont être beaucoup plus cool avec nous. Et du coup, on va aussi beaucoup plus, en les observant, aller beaucoup plus vite pour voir lesquels sont malades ou non et voir après où c'est que ça nous pose problème sur l'élevage. Alors sur mon élevage, moi j'ai introduit l'éducation des jeunes bovins avec tout ce qui est enrichissement du milieu, donc des pyramides, plein d'objets en fait pour leur apprendre à gérer le stress face à la nouveauté. Pour du coup aussi créer une relation avec eux, c'est-à-dire qu'on va faire du brossage, gratter avec les gants à picot sur des zones qu'ils apprécient, récompense alimentaire quand on a des actions malheureusement négatives à faire, style vaccin, etc., pour qu'on ait toujours un effet positif, négatif, qu'on va contrebalancer en fait, pour que le bovin garde en tête que les actions positives avec l'humain, et qu'après ensuite il ait moins peur, et qu'on puisse nous travailler en sécurité et en bonne relation ensemble. J'ai introduit des brosses dans tous les parcs, y compris chez les adultes. J'en fais découvrir plein d'objets du quotidien, quand j'empaille, etc. Moi, j'aime bien passer dans mes parcs et caresser tout le monde. C'est un tout petit geste qui prend très peu de temps, mais qui crée une vraie relation avec l'animal. Et après, on fait aussi du clicker. Je fais aussi du clicker training. Un clicker training, c'est-à-dire qu'on va demander à notre vache de faire une action. Par exemple, de nous suivre et de suivre ce qu'on appelle une cible. Et au moment où elle va le faire, en fait, on va cliquer avec un petit objet qui s'appelle le clicker. Et derrière, on va récompenser avec de l'aliment pour qu'en fait, elle associe cette action à une action positive et ce qu'on lui a demandé de faire. Dans les projets futurs, moi, j'aimerais bien aujourd'hui moins séparer les mères des veaux, les garder plus longtemps pour qu'ils aient vraiment encore ce petit relationnel au début. Mais voilà, c'est toute une gestion bâtiment, d'agencement, et voilà, de se renseigner comment on fait pour après derrière les laitières. Et voilà, moi je voudrais renforcer ce lien veau qu'elles ont déjà, puisque moi quand les veaux naissent, je les laisse au moins 6 heures sous leur mère, donc ils têtent le colostrum directement sous la mère.